Nous avons parlé de l'amour propre. We talked about self-love. Nous avons parlé de l'amour du monde et les choses qui sont dans le monde. We also talked about the love for the world and the things which are in the world. Nous allons davantage en parler. We will talk more about that. Mais pas aujourd'hui. But not today. Nous allons marquer une parenthèse. We are going to make a parenthesis. Pour parler du renouvellement de l'intelligence. To talk about the renewing of the intelligence. Parce qu'il y a un travail que le Saint-Esprit opère. Because there is a work that the Holy Spirit operates. Qui permet de réussir dans la séparation du monde et le rejet des choses qui sont dans le monde. Which allows us to succeed in the separation from the world and the rejection of the things of the world. Qui permet de marcher dans l'humilité. That allows us to work in humbleness. Et de tenir compte and de la présence des autres. And to take into account the presence of the others. Si ce travail n'est pas fait, if this work is not done, on ne peut pas réussir dans le renoncement à soi-même. We cannot succeed in self-denial. Note this. Quand on dit renouvellement, il s'agit de renouveau, c'est-à-dire refaire une chose qui existait déjà. When we talk about renewing, it is doing something, reforming something that already exists. C'est une sorte de renouveau. That is a kind of renewment. C'est un changement complet de forme. It's a changement, a complete change, of the forms. Une société peut connaître le renouvellement. Une communauté, une société, une église. A community, a society, a church can experience renewing. Un individu. An individual. Peut connaître le renouvellement. Can also experience renewing. Vous notez ceci. Note this. Dans la parole de Dieu, in the word of God, on parle du renouvellement pour désigner la transformation de l'homme intérieur. We talk about renewing to refer to the transformation of the inner man. Et même de l'être tout entier, c'est-à-dire esprit, corps et âme. Oh, alors esprit, âme et corps. And the entire being, that is the spirit, the body and the soul. C'est le travail que le Saint-Esprit opère lors de la nouvelle naissance. It is the work that is done by the Holy Spirit at the time of the new birth. C'est un processus. It's a process. C'est-à-dire que c'est pas une action ponctuelle that et is, définitive. That is, it is not a definite and punctual act. C'est un travail que le Saint-Esprit commence. It's a work that is started by the Holy Spirit. Et qu'il développe. And that he develops. Mais qu'il nous transforme. But that transforms us. Tu ne peux pas abandonner le monde. You cannot forsake the world. Si tu n'as pas reçu un renouvellement de l'intelligence qui te donne la vraie définition du monde. If you have not received a renewing of your mind that gives you the true definition of the world. Quand l'évangile est prêché, when the gospel is preached, c'est la lumière qui est libérée. It is light which is released pour visiter les ténèbres. To visit darkness. Cette lumière apporte une nouvelle vision des choses. That light brings a new vision of things. La lumière de l'évangile apporte une nouvelle définition des choses. The light of the gospel brings a new definition of things. Une nouvelle définition des valeurs. A new definition of values. Et c'est cette nouvelle définition. And it is that new definition que le Seigneur demande aux croyants. That the Lord requires the believers d'utiliser. To use pour se sanctifier, to sanctify themselves, pour se mettre à part, and to set themselves apart. Quelqu'un lise pour nous Romains chapitre 12 versets 1 et 2. Somebody is going to read for us Romans 12, reading from verse 1 to 2.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. L'épître aux Romains, the epistle to the Romans, fait partie des épîtres dans lesquelles l'apôtre Paul explique l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Is among the epistles in which Apostle Paul explains the grace, the love, and the favor of God. Mise en œuvre pour la rédemption, pour le salut de l'homme. Which has come for the redemption and the salvation of man. Dieu manifeste une extrême bonté. God shows an extreme goodness. Pour sauver l'homme. To save man. Et l'apôtre invite les hommes. And the apostles invite men. À considérer cette extrême bonté de Dieu. To consider that extreme goodness of God, cet amour, that love pour les hommes, for man. Il dit même que Dieu a comblé les hommes même des dons spirituels. He even says that God has filled man with spiritual gifts. Et il demande, but he requires, que la réponse, that the answer, soit une consécration totale à Dieu. Be a total consecration to God. C'est pour cette raison qu'il est dit. That's why he said, je vous exhorte donc, I beseech you therefore, c'est-à-dire après avoir fait la démonstration, that is after making demonstration, de l'amour de Dieu, of the love of God, la grâce et la faveur de Dieu, after showing the grace and the favor of il God, il lance une vibrante exhortation. He gives a mighty encouragement. Il appelle tous les croyants. And he calls upon all the believers à se constituer sacrifice vivant, to make themselves a living sacrifice. Et il leur dit, and he tells them, c'est ça qui permettra que le culte soit vrai. This will allow that the service to God be true, agréable, and acceptable. Consacré à Dieu. Consecrated to God. Esprit, âme et corps. Spirit, body and soul. Vous-même. You yourself. Pas les animaux comme lors de l'ancienne alliance. When animals, like at the time of the old covenant. C'est chacun qui doit se poser, se placer sur l'autel. It is each one that should come and set him on the altar. Et il leur dit. And he tells them. C'est possible. Possible si vous utilisez votre nouvelle intelligence. If you use your new mind pour interpréter la vie, to interpret life, pour discerner, to discern, puisque vous avez déjà vu la lumière, since you have already seen the light, vous pouvez discerner, you can discern. Et il faut que ce discernement vous rapproche de la volonté de Dieu. Should take you closer to the will of God. Quelqu'un lise pour nous 2 Corinthiens chapitre 4. Someone read for us 2 Corinthians chapter 4. Lise du verset 3 verset 6. Read from verse 3 to verse 6. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes,
C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. But even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. For we do not preach ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your bond servants for Jesus' sake. For it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Verset 6. Verse 6 du passage que nous venons de lire. Of the passage you have just read. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. For it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. En fait, l'évangile révèle à l'humanité le vrai Dieu. Actually, the gospel reveals the true God to mankind. L'évangile révèle les vraies traditions de Dieu. The gospel shows the true customs of God. L'évangile révèle les coutumes qui devraient être les coutumes des enfants de Dieu. Les traditions, les habitudes des enfants de Dieu. The Gospels reveals the customs, the traditions that should be the customs and the tradition of the children of God. C'est par l'évangile que tu peux savoir que l'homme ne vient pas des singes ou des poissons ou des crocodiles. It is through the gospel that you can realize that you can know that man does not stem from birds or from the crocodiles, etc. C'est l'évangile qui t'enseigne comment aimer ton frère. It is the gospel that teaches you how to love your brother. L'évangile est la lumière. The gospel is the light. C'est une connaissance qui éclaire les hommes. It is a knowledge that enlightens people. Le psalmiste célèbre la parole en disant que la parole de Dieu est une lumière qui éclaire son sentier. The psalmist speaks about the word of God, saying that it is the light that shines in his way. Donc l'évangile permet de marcher dans la lumière. So the gospel allows you to walk in the light. L'évangile te permet de savoir que ça c'est le mensonge, ça c'est la vérité. The gospel allows you to know that this is light and this is true. Quand Dieu libère la parole, when God releases the word, elle se dirige dans le cœur de l'homme. It is led into the heart of man. Pour illuminer les pensées des hommes. To enlighten the thoughts of men. C'est pour cette raison qu'il est dit que la parole de Dieu juge les sentiments du cœur. That's why it is said that the word of God judges the feelings of the hearts. Le Seigneur travaille. The Lord works. Pour que l'homme sorte de l'ignorance. For man to come out of ignorance. Dieu a fait briller dans nos cœurs la lumière. God made the light shine in our hearts. Cette lumière, c'est l'évangile. That light is the gospel. Lis Isaïe 9, verset 1. Read Isaiah 9, verse 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. In English version, it is Isaiah 9, verse 2. The people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in the land of the shadow of death, upon them a light has shined. Amen. Cette lumière dont parle le prophète, c'est la prédication de l'évangile qui est annoncée. That light that the prophet is talking about is the preaching of the gospel that is proclaimed. Qu'est-ce que Dieu veut? What does God want? Dieu veut que le croyant
God wants that the believer apprenne une nouvelle vie. Learns a new life. Il faut bien noter ça. Note this well. Et il sait que le croyant peut réussir. And God knows that the believer can succeed. Parce que because il a mis fin à l'ignorance. He has put an end to ignorance. Dans la vie du croyant. In the life of the believer. Il a dit si vous demeurez dans ma parole. He says that if you abide by my word, vous connaîtrez la vérité. You shall know the truth. Et la vérité vous affranchira. And the truth shall set you free. Il est impossible. It is impossible. Qu'un être humain demeure dans la parole de Dieu. That a living human being abide in the word of God. Et persévère dans l'ignorance. Endures in ignorance. Si tu rencontres quelqu'un, if you meet someone qui vit encore dans les ténèbres, who is still living in darkness, et qui te dit qu'il est enfant de Dieu, and he tells you that he is a son of God, faut pas croire à ça. Do not believe this. Si tu rencontres quelqu'un qui ne sait pas que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, if you meet someone who does not know that Jesus is the way, the truth, and the life, qui ne connaît pas la vérité, who does not know the truth, il faut pas croire. Do not believe. Il faut pas croire que Dieu opère en lui. Do not believe that God works in him. Quand l'Esprit de Dieu entre en toi, when the Spirit of God enters you, il te donne une connaissance intuitive de l'Évangile. It gives you an intuitive knowledge of the gospel. L'apôtre Paul appelle ça la pensée de Christ. Apostle Paul refers to it as the thought of Christ. Même si tu ne connais pas tous les versets bibliques, even if you don't know all the verses of the Bible, mais il y a une lumière qui t'habite. But there is a light that indwells you. Il y a une pensée qui t'habite. There is a thought that abides in you, qui te fait rejeter l'obscurité, which brings you to reject darkness. Même si tu ne sais pas comment te l'expliquer, even if you don't know how to explain that, mais ça habite en toi. But it abides in you. Quand cette lumière là n'habite pas en toi, when that light does not dwell in you, la parole de Dieu t'appelle l'homme, tu es un homme animal. The word of God says that you are, it refers to you as animal man. Lis pour nous 1 Corinthiens chapitre 2 versets 14, 15 et 16. Read for us 1 Corinthians chapter 2 verse 14 and 16. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Amen. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. But he who is spiritual judges all things, yet he himself is rightly judged by no one. For who has known the mind of the Lord that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Amen. Quand tu n'es pas né de nouveau, when you are not born anew, comme le Seigneur le dit dans Jean chapitre 3 verset 1 à 8, as the Lord says it in John chapter 3, reading from verse 1 to 8. Lis pour nous Jean 3, verset 1 à 8. Read for us John 3. Quand tu n'es pas né de l'esprit, tu es un homme animal. When you are not born of the spirit, you are a natural man. Tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. You cannot understand the things of God. Même si tu lis la Bible, even though you read the Bible,
Tu ne vas pas comprendre. You will not understand. Même si tu viens t'asseoir. Even if you come to sit down. Comme chacun est assis. As each one is sitting et here. Et qu'on prêche, on prêche, on prêche. And that we preach and preach and preach. Tu ne vas rien comprendre. You will understand nothing. Parce que l'esprit qui permet de comprendre. Because the spirit that allows you to understand. C'est l'esprit de Jésus. It is the spirit of Jesus. Et tu n'as pas cet esprit. And you don't possess that spirit. Parce que tu n'as pas Jésus. Because you don't have Jesus. Donc tu es un homme animal. So you are a natural man. Tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles. You cannot understand spiritual matters. Lis. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Jesus answered and said to him, most assuredly, I said to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, most assuredly, I said to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. Amen. Quand tu n'es pas rempli de cet esprit, when you are not filled with the Holy Spirit, tu ne peux pas comprendre les choses que Dieu enseigne. Aux églises, aux hommes, you cannot understand the things that God teaches to the churches, to men, to people. Quand tu n'as pas l'intelligence de Dieu, when you don't possess the mind of God, tu te glorifies même de ce qui fait honte. You pride yourself even of what is shameful. Lisons Philippiens. Let us read Philippians. Chapitre 3. Chapter 3. Lis le verset 17. Read verse 17. À partir du verset 17 jusqu'au verset 21. From verse 17 up to verse 21. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ce qui marche selon le modèle que vous avez en nous. Écoutez bien. Listen carefully. Ça, ce sont les attitudes. These are the attitudes. Des gens qui ont l'intelligence renouvelée. Of those who possess a renewed a mind. Quand tu dis à quelqu'un, when you tell someone, regarde ce que je fais, look at what I'm doing, et fais comme moi, and do as me, tu es en train de l'inviter à une nouvelle vie. You are inviting him to a new life, à de nouvelles méthodes, to new methods. Ça demande une nouvelle intelligence. This demands a new mind. Soyez mes imitateurs. Be my imitators. Continue. Continue. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ.
Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Vous voyez, l'apôtre dit qu'il, quand il voit certaines personnes, il pleure. You see, Apostle Paul says here that when he sees some people, he even cries. Parce que leur vie montre qu'ils n'aiment pas Jésus. Because their life even show that they do not love God. Leur manière de parler, de penser, d'agir montre qu'ils n'aiment pas Jésus. Their way of speaking and thinking and acting show that they do not love Jesus. Il ne parle pas des païens. He's not talking about the unbelievers. Cette lettre n'est pas écrite aux païens. This passage is not addressed to the pagans. Il écrit aux croyants, ceux qui ont accepté Jésus. He's writing to the believers, those who have accepted Jesus. Ils ont déclaré, ils ont dit. They proclaimed it, they said it. Et les gens ont cru. And people believed. Mais, but quand on les voit marcher, when we see them walking, on ne reconnaît pas Jésus. We do not recognize Jesus. Dans leur marche. We cannot see Jesus dans leur discours. In their discourse, their speech. Ils marchent en ennemis de la croix de Christ. They walk as enemies of the cross of Christ. Quand Paul dit même qu'il pleure, ça les amuse même. When even when Paul says that he's crying, this amuses them. Pour eux, ils sont des croyants normaux. Ils aiment Dieu, ils connaissent Dieu. For them, they are normal believers. They love God. They know God. Mais Paul, quand Paul les regarde, but when Paul watches them, il voit des ennemis. He sees enemies de la vie de Jésus. Of the life of Jesus. Il voit qu'ils ne sont même pas prêts à embrasser la vie de Jésus. He can realize that they are not even ready to embrace the life of Jesus. Continue. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. They only think of the things of the earth. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. They put their glory in their shame. Ils peuvent se vanter d'être des grands bagarreurs. They can pride to be to be quarrelers. Comme moi, quand j'étais dans le monde, je te frappe comme ça là, tu tombes, tu meurs même. When I was in the world, I can beat you like this, you can fall down and die. Je buvais. I used to drink. Je buvais. I used to drink. Je pouvais boire 3 casiers. I can drink 3 boxes. Il y a certaines personnes, quand tu les écoutes, there are some people when you listen to them, tu sens qu'ils se glorifient de leur passé. You feel that they pride themselves of their past life. Et dans leur marche, and in their walk, tu peux discerner qu'ils ont envie de faire un tour dans le passé. You can realize that they feel like making a turn into their past life. Ils ne font que regarder en arrière. They are only looking back. On ne fait que les restaurer. We keep restoring them. Ils sont découragés aujourd'hui, on les restaure demain, ainsi de suite. C'est comme today, ça. They are downhearted. Today they are downhearted. You restore them, and we keep doing this all the time. Si tu es fatigué de les porter, if you are tired of bearing them, leur foi finie. Their faith is ended. Il ne pense qu'aux choses de la terre. They only think of the things of the earth. Il ne m'a pas donné l'argent. On ne m'a pas donné l'argent. I was not given money. On ne m'a pas donné la nourriture. I was not given food. Je veux la nourriture. Je veux l'argent. I want food. I want money. Il ne pense qu'aux choses de la terre. They only think of earthly things. S'il y a un mariage où il y aura une réception et puis une réunion d'enseignement où il y aura que la prédication, ils te laissent la prédication, ils vont au mariage. If there is a wedding ceremony where there will be served food and at the same time there is a teaching meeting where the word of God will be taught, they will leave the teaching session and go to the wedding ceremony. Et c'est pour cette raison que beaucoup aiment les funérailles. That's why many people love funerals. C'est vrai, Seigneur. Quand nous étions dans le monde, nous avions des coutumes, des traditions.
Mais Seigneur, quand ta parole est venue dans ma vie, il y a des choses que j'ai oubliées, Seigneur, parce que cette parole est venue avec la force pour me donner un autre esprit avec lequel je dois marcher. Je me souviens, souvent quand j'ai fini de manger, je suais ma main sur mes pieds, disant que quand j'arriverai quelque part, je vais en trouver. J'ai oublié ces choses, ces pratiques. Tout est parti parce que ta parole envoie une nouvelle vie, la vie de Christ en moi. Je plaide, oh Dieu, que chacun d'entre nous saisisse ces paroles d'une manière révélationnelle, que nous avons besoin de ton esprit pour marcher avec toi. Seigneur, fais-le au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ce message soit promulgué au nord, au sud, à l'est, partout en Côte d'Ivoire, et que chacun de nous vit ce message qui est salutaire pour nous, au nom de Jésus. Amen. Continue. Yes, continue. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Pour arriver à ces résultats, to come to this result, si tu es prédicateur, if you are a preacher, ou bien un dirigeant spirituel, or a spiritual leader, tu dois beaucoup prier, you must pray a lot, pour que les gens reçoivent la révélation de ce que tu prêches. For people to receive the revelation of what you preach. La révélation est absolument nécessaire. Revelation is absolutely necessary. Nous écoutons la même parole ce soir. We are listening to the same word. Mais la différence tonight, but the difference sera au niveau de la révélation. Will be at the level of revelation. Qui va comprendre la chose par l'esprit? Who will understand the thing through the spirit? Qui va comprendre selon la pensée de Christ? Who will understand it according to the thought of Christ? Il faut beaucoup prier. You must pray a lot. Toi-même qui écoutes, you yourself who is listening, tu dois beaucoup prier. You must pray a lot. Disant, oh Dieu, révèle-moi ta parole. Saying, oh Lord, reveal your word to me. Oh Dieu, révèle-moi ton conseil. Oh God, reveal your advice to me. Cette prière, that prayer, permettra que la parole entre dans ton esprit. Will allow the word to enter your spirit. Parce que c'est un cri. Because it's a cry. D'une personne assoiffée. Of a man that is thirsty. C'est le cri de quelqu'un qui a faim. It's the cry of an angry man. Pas de la nourriture. Not of food. Mais il a faim de la parole de Dieu. But he is hungry of the word of God. Et Dieu exauce. And God grants. Lis pour nous. Read for us. Philippiens 1, 8. Philippians 1. À 18. 8, from 8 to 18. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais
D'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Amen. Ici, l'apôtre demande une chose à Dieu. Here, the apostles requires one thing to God. Que l'amour augmente. That the love increases. Que la connaissance augmente. That the knowledge also increases. Afin que chaque croyant soit rendu capable de discerner les choses qui sont les meilleures. That each believer becomes able to discern the best things. Pour le discernement des choses les meilleures. For the discernment of the best things. Ça, c'est le résultat d'un esprit renouvelé. This is the result of a renewed mind. D'une intelligence renouvelée. Of a renewed mind. C'est-à-dire une intelligence qui est restaurée dans la vie de Dieu. That is a mind that is restored in the life of God. Dans la communion avec Dieu. In the fellowship with God. L'intelligence d'un homme né de nouveau. The mind of a man who is new, who is born anew. Un homme né selon l'esprit. A man born according to the spirit. Un homme qui comprend les choses spirituelles. A man who understands spiritual matters. Il peut discerner ce que Dieu veut. He can discern what God desires. Si ceci n'est pas compris. If this is not understood, tenter de se sanctifier. Trying to sanctify oneself sans renouvellement de l'intelligence. Without the renewing of the mind, est une vaine activité. It's a vain activity. Beaucoup ont tenté. Many tried. Ils n'ont pas pu. But they couldn't. They didn't succeed. Mais quand le Saint-Esprit est là, but when the Holy Spirit is there, le renouvellement est automatique. Renewing is automatic. Et Dieu dit, and God says, utilise les vertus du renouvellement, use the virtues of the renewing, pour changer de vie, to change your life, pour grandir dans la ressemblance à Christ. To grow in the likeness to Christ. Il dit, consacrez-vous. He said, devote yourself. Comme des sacrifices vivants. As living sacrifices. Et il dit, discernez ce qui est bien. And he says, discerns that which is good. Et il dit, and he says, soyez transformés. Be transformed. Quand tu veux lui demander comment. When you ask how. Il dit, en permettant à ton intelligence de se convertir, puisqu'elle a déjà la lumière. He says, by allowing your mind to be converted, since it already has light. Si tu étais nu, if you were naked, dans l'obscurité, in the darkness, quand on allume, as soon as they put on the light, tu vas courir, you will run, chercher un habit, find a cloth. C'est ce qu'Adam a fait. That's what Adam did. Il a pris les feuilles du figuier rapidement. He took the leaves of the fig tree quickly. Il a caché sa nudité. And hid his nakedness. Quand tu découvres une vérité, when you discover a truth, tu te conformes à cette vérité. You comply to that truth. Ne dis pas que Dieu aura pitié de toi. Do not say that God will have mercy on you. Ça, c'est la compréhension de l'homme animal. This is the understanding of the natural man. Et Paul montre ici l'exemple de quelqu'un qui a une intelligence régénérée. And Paul shows here the example of someone who has got a renewed mind. Il dit, j'ai eu des problèmes. He said,
I encountered hardships. I went through hardships. Mais ces problèmes étaient pour le progrès de l'évangile. But those hardships were for the progress of the gospel. Si on te dit de rendre grâce à Dieu pour toutes choses, if you are taught to give thanks to God for all things, tu ne vas rien comprendre. You will understand nothing. Tu vas dire pourquoi? You say why? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Why did God allow that? Mais Paul dit gloire à Dieu. But Paul says praise the Lord. L'intelligence est renouvelée. The mind is renewed. Il comprend les situations. It understands situations. Il dit même quand on prêche contre lui. Even he says even when people preach against him. Même quand on prêche pour lui faire du mal. Even when people preach in order to harm him. Il dit qu'il y a des gens qui prêchent pour me faire souffrir dans la chair. He says that there are people who preach in order to make me suffer in the flesh. Parce qu'ils savent que je prêche sur la foi que l'homme doit avoir pour entrer au ciel. Because they know that I preach on the faith that man must possess to enter heaven. Dès que je finis, as soon as I finish, eux aussi viennent prêcher la circoncision. They too come and preach circumcision. Pour pardonner, to forgive, il faut une intelligence renouvelée. You need a renewed mind. Il y a une perte. There is a loss. D'avantage terrestre quand tu pardonnes quelqu'un. Of earthly advantages when you forgive a man. Dans le vrai pardon, in a true forgiveness, on perd. You lose. Selon la chair. According to the flesh. Mais pour pardonner, but to forgive, il te faut une intelligence régénérée. You need a regenerated mind. Parce que là, tu vois les valeurs du ciel que tu gagnes. Because there, you see the values of heaven that you win. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. The Bible says, love the things from heaven. Cela n'est pas possible. This is not possible. Si on n'a pas une intelligence régénérée. If you do not possess a renewed mind. Quelqu'un lise pour nous Matthieu 6, verset 25. Someone read for us Matthew 6, verse 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Amen. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Beaucoup de personnes souffrent. Many people suffer. Beaucoup s'inquiètent. Many worry. Beaucoup sont remplis de soucis. Many are filled with concerns. Parce qu'ils ne savent pas comment s'attacher aux choses d'en haut. Because they don't know how to attach themselves to the things from above. Parce qu'ils n'ont pas une intelligence renouvelée. Because they do not possess a renewed mind. Ils s'inquiètent. They worry. Pour Jésus, for Jesus, la vie est plus que la nourriture. Life is more than food. Et le corps est plus que le vêtement. And the body is more than clothing. Ça, c'est une nouvelle définition des valeurs. This is a new definition of values. Qui n'est possible que quand on a l'intelligence régénérée. Which is only possible when you have a renewed mind. Dis à un païen. Telling an unbeliever. Que la vie. That life. Est plus que la nourriture. Is more than food. Non. No. Le païen te dira, the pagan will tell you, ventre affamé n'a point d'oreille. When you are hungry, you cannot hear anything. Voilà sa philosophie. Here is
his philosophy. Il faut que l'évangile arrive. The gospel must come. Pour que cet homme confesse de sa bouche. So that those who confess que la vie est plus que la nourriture. That life is more than food. That any man confesses that life is more than food. Ça c'est nouveau. This is new. Ça sort d'une intelligence lavée. It stems from a washed mind. La vie est plus que la nourriture. Life is more than food. Et le corps plus que le vêtement. And the body more than clothing. Les choses qui nous font trembler. The things that makes us shake. Qui font sombrer dans les soucis. Which brings us into worries. Je veux manger quoi? What am I going to eat? Je veux me vêtir de quoi? How am I going to clothe myself? Toutes ces choses qui troublent. All those things that trouble. Ne sont rien aux yeux de Dieu, rien du tout. Are nothing at all in the sight of God. Dieu peut donner ça même aux oiseaux. God can give those things even to the birds. Sans qu'ils aient même eu à travailler. Without them working. L'homme renouvelé contemple sa nouvelle vie en Christ. The renewed man beholds his new life in Christ. Il contemple le jour où le Seigneur va nous faire monter à sa rencontre. He beholds the day when the Lord will take us up to meet him. Il s'exerce à la prière. He exercises himself in prayer. Au jeûne. He exercises himself in the fasting. Il aime la prédication. He loves preaching. Quand quelqu'un abandonne le monde, il est heureux, il est content. When someone forsakes the world, he's happy to see that. Quand un jeune homme lui dit, je vais en mission. When a young man tells me I'm going to mission. Il est heureux. He is happy. L'homme charnel critique. The carnal man criticizes. Tu vas manger quoi? What are you going to eat? La nourriture. Food. Essaye de dire à un païen que tu vas en mission. Try to tell an unbeliever that you are going into mission. Que tu démissionnes. And that you abandon your job. Quoi? What? A checker. Tu vas manger ça comment? How are you going to eat it? Et le placali. How about the placali? Il faut les yeux lavés par l'évangile. It is only the eyes that are washed by the gospel to understand that. Quand on dit laisser le monde, renoncer à tout, se consacrer, s'il n'y a pas le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas possible. When they say abandon the world and renounce all, if you do not have a renewed mind, this is not possible. Et si la prédication n'est pas accompagnée par des prières violentes comme les prières de Paul, elle ne peut pas produire des vraies conversions où les gens contemplent la gloire à venir. And if the preaching is not accompanied by fervent prayers like those of Paul's, people cannot understand the preaching and behold the glory of God. Pour connaître un changement, to experience a change, il faut que l'église élève des prières constamment à Dieu. The church must pray constantly to God, demandant des révélations, le renouvellement de l'intelligence. Asking God for renewing of the mind and revelations. Avant de prêcher, tu supplies le Seigneur. Before preaching, you plead, you beg the Lord. Tu dis, oh Dieu. He said, oh God. Dépose ces paroles dans le cœur des hommes. Put this word in the heart of man. Sinon, il n'y a rien. If not, there will be nothing. Et quand tu écoutes. And when you listen. Tu dis, oh Dieu. He said, oh God. Que ces paroles. Let these words. Pénètre en moi. Get inside me. Et porte du fruit. And bear fruit.
Ça veut dire que la transformation est un miracle que produit la parole de Dieu en nous. It means that transformation is a miracle that the word of God produces in us. Pendant que tu écoutes, while you are listening, tu pries pour toi-même. You pray for yourself. Tu ne penses pas aux autres. You do not think of the others. Ne dis pas que oui, voilà ce que je disais à un tel. Do not say, yes, this is what I was telling to such a person. Voilà, c'est ça. Oui, pastor. Yes, this is it. Yes, pastor. Tu exposes ton cœur. You expose your heart à la lumière de l'évangile. To the light of the gospel. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Que la grâce de Dieu, that the grace of God, est avec toi, is with you. Vis dans le péché. Live in sin. Tu seras pardonné. You will be forgiven. Paul est celui le grand enseignant de la grâce. Paul is the greatest teacher of the grace. Mais il dit, but he says, faites mourir les membres qui sont dans le monde. Make the members that are in you die. C'est-à-dire que laissez le vol, l'adultère, le mensonge. That is, forsake theft and adultery and lies. Il dit, si vous êtes mort avec Jésus, he said, if you are dead with Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Love the things which are above. Ephésiens 4, verset 20 à 29. Ephesians 4, reading from verse 20 to 29. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. En fait, c'est une parole qui veut qu'on change. This word, it is a word that wants us to change. Qu'on se débarrasse de la vieille nature. That we put off the old nature. C'est une action volontaire. It is a deliberate action. Tu ne dis pas, oh Dieu, change-moi. You do not say, oh God, change me. Il dit, change-toi toi-même parce que ton intelligence est déjà lavée. He says, change yourself because your mind is already washed. Tu sais déjà. You already know que le vol that stealing n'est pas une bonne chose. Is not a good thing. Même quand la société dit tout le monde fait ça, tout le monde vole. Even when in the society it is said that everybody does this, everybody does this. L'évangile t'explique. The gospel explains you que ce qui compte, that what c'est matters, le jugement de Dieu. What matters is the judgment of God. Comme Dieu condamne. Parce que Dieu condamne, because God condemns, donc je condamne aussi. I also condemn it. C'est ça qu'on appelle intelligence renouvelée. That's what we call a renewed mind. Si tu négliges ce que nous sommes en train de voir ce soir, if you neglect what we are seeing tonight,
Tu vas confesser les mêmes péchés toute ta vie. You will keep confessing the same sins all your life. Ça va t'étonner. You will be astonished. Que tu quittes l'enseignement, avant de venir à l'enseignement, tu te masturbes. Tu quittes l'enseignement, tu rentres à la maison, tu te masturbes. You will be astonished that before coming to the teaching session, you masturbate yourself, and when you go home from the teaching session, you also masturbate yourself. Pourquoi? Why? L'intelligence. The mind est encore obscurci. Is still darkened. Une bonne conscience, quand quelqu'un une conscience éveillée. A good conscience, when someone possesses an awakened conscience. Il est mal à l'aise. He is ill at ease. En contact avec le mal, avec le péché. While living in sin. Tout contact avec le péché met mal à l'aise. Any contact with sin makes you feel ill at ease. Tous ceux qui ont l'esprit renouvelé. All those who have a renewed mind. Donc il y a tout un mécanisme pour que l'homme soit pur. So there is a mechanism for man to become clean. Dieu a tout planifié. God has planned all things. Comment la parole sera libérée? Comment elle va entrer en toi? Comment elle va agir en toi? How the word will be released? How it will enter you and work in you? Et Dieu a planifié des actions. And God has planned actions que tu dois mener. That you must undertake. Pour que la parole qui habite en toi te transforme. For the word that dwells in you, abides in you, to transform you. Tu peux. You can. Abandonner le péché ici. Abandon sin here. Le péché qui te fait pleurer là. The sin that makes you cry. Quand nous allons nous tenir debout. Tout when we stand on our feet. Tu dis à Jésus. You tell Jesus. J'ai compris. I have understood. C'est fini. It's finished. Tu auras un témoignage. You will have a testimony. C'est le Saint-Esprit qui a voulu que cette étude soit donnée. It is the Holy Spirit that wanted this teaching to be given. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on perde le temps. Because the Lord does not want us to waste time. Il a tout prévu. He has planned all things. Si tu mets cette parole en pratique, if you put this word into practice, c'est le chemin des victoires. It is the way of victories. Sur le chemin de l'obéissance. On the way of obedience. Tu auras des chants de louanges. You will have songs of praises. Soyez transformés. Be transformed. Par le renouvellement de l'intelligence. By the renewing of the mind. Les païens. The unbelievers. Ont l'intelligence obscurcie. Have a darkened mind. Ils n'ont plus de sentiments. They no more have feelings. Ton père peut te vendre dans la sorcellerie. Your father can sell you in witchcraft. Non, pas de sentiments. No feeling. Si tu manges même un peu le pain sucré sans donner à quelqu'un sorcier, il te tue sur place. If you eat a bit of bread without sharing it, giving some to a witch, he can kill you on tu the spot. Tu lui demandes pourquoi tu tues celui, il a fait quoi? You ask him, why do you kill that man? What has he done? On chassait les démons. We are casting out demons. Et il y avait un esprit humain qui incarnait une sœur. There was a human spirit that incarnated a sister. Qui es-tu? Who are you? Il a dit son nom. He said his name. Sors. Go out. Il dit, elle ne me donne pas son argent. She said she does not. He said she does not give me her money. Et cette sœur avait quel argent? And what money that sister possessed? 3,500 par mois. 3,500 per month. Que son patron lui donnait. Elle était en stage, donc son patron lui donnait 3,500 pour la carte de bus. She was in internship and her boss used to give her 3,500 for the bus card. Et sa tante and her aunt était en train de la tuer parce qu'elle ne lui donne pas l'argent. Was killing her because she doesn't give her money. Ils ont l'intelligence obscurcie.
They have a darkened mind. Peut-être toi tu n'es pas sorcier. Maybe you are not a witch. Mais sors de la vieille nature. But come out of the old nature. Sors de là victorieusement. Come out of there victoriously. Et crois and believe qu'on peut laisser le monde. That we can forsake the world. Et les choses qui sont dans le monde. And the things which are in crois the world. Believe qu'on peut laisser le péché. That we can abandon sin. Pourquoi? Why? Parce qu'on a vu la joie qui nous attend. Because you have seen the joy that is in us. Il y a un travail intelligent que tu dois faire. There is an intelligent work that you must undertake. Pour attribuer aux choses du ciel leur vraie valeur dans ta vie. To give the things of from above of heaven their true value in your life. Et c'est ça qui va te transformer. And this is what will that which will transform you. C'est ça qui va briller dans ton environnement. That's ça what, va briller, ça va éclairer les gens. That's what will shine in your environment. It will shine and enlighten people. Et les gens vont te dire, amène-moi dans ton église. And people will tell you, bring me, take me to your church. Tenons-nous debout. Let us stand on our feet. Dis à Dieu que je veux changer, Père. Tell God, I want to change, Father. Dis-lui, je comprends maintenant. Tell him, I understand now. Ce que tu as planifié. What you planned. Pour ma transformation. For my transformation. Tu proclames que je peux changer, je peux changer. You proclaim that I can change, I can change. Je peux changer, je peux changer. I can change, I can change, I can change. Je dois changer, je dois changer. I must change, I must change. Je dois changer, je dois changer. I must change, I must change. Je peux être transformé. I must be transformed. Je peux être transformé. I can be transformed. Et je dois être transformé. And I must be transformed. Et je dois être transformé. And I must be transformed. Continue à prier pour toi-même. Continue to pray for yourself. Accompagne. May the Lord take you back home.